J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. On est aujourd'hui une date un petit peu particulière. Nous sommes le 17 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 17 septembre? Hein? Eh ben, il y a deux amis qui ont commencé un nouveau défi. Et oui, alors, ces deux personnes, c'est Miss Alexandra de la chaîne Alex et ses passions et ma petite Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants. Eh ben oui, les filles, hein, vous le saviez, mais pas que vous. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer la nouvelle petite toile du petit défi des filles. Voilà, je vais vous faire voir la toile. On va papoter. Je vais éternuer. Ça va commencer bien. Tchou! Pardon, désolé. Préparez-vous un petit café. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Alors, aujourd'hui, on est donc le 17 septembre. Je vais vous faire voir. Donc les filles, elles ont lancé, donc moi je vous invite, pour celles qui ne connaissent pas les filles, c'est d'aller sur leur chaîne. Elles ont lancé un petit projet de point de croix, donc qui va durer dans le temps, voilà. Alors, je vous fais voir la date, comme ça, il n'y a pas de souci. Hop là, le 17 septembre, et oui, il est très 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 tôt, du moins il est tôt l'après-midi. Oh mais, ouais. Parce qu'on a déjà mangé, donc voilà. Ma petite Valérie est partie hier, et comment dire, donc les filles elles ont proposé ce petit projet de, voilà. Et on a fait croire que je ne participais pas au défi, du moins au projet défi. Parce que bah, j'avais plein de points de croix de commencer. Mais que nenni! Mais que nenni! Voilà, les filles, mes amies qui commencent un nouveau projet. Pourquoi je ne vais pas commencer un nouveau projet avec elles, hein? Donc, l'idée, c'est de faire. Donc, elles ont. On a divisé les toile en 50 cases, voilà. Il y avait une taille minimum à voir, mais ça, si vous avez besoin de renseignements, allez sur les chaînes des filles. Et donc c'est une case pour les 15, une case tous les 15 jours, pardon. Voilà. Donc moi je vais arriver sur la fin de ma toile du défi que je fais avec Vanessa et j'ai dit bah allez. J'y arrive pas, c'est sans prise de tête. Voilà. Et puis ce petit piment de se dire, on va la voir. Et bah oui, ma petite Valérie, tout le monde était au courant que je commençais une nouvelle toile le 17 septembre. Sauf toi. Voilà. Donc j'ai voulu me faire bien voir en disant, non, mais non, on va pas refaire une toile quand même. J'ai pas mal de projets d'attaquer. J'ai expliqué à Alexandra et à Vanessa que je participais pas parce que voilà, quand même. Bah, que nini, tu y as cru, j'espère. Hein? Donc voilà, donc c'est la petite fille en 9CT. Voilà. J'ai préparé, donc avant ta venue, ma petite Valérie, à la maison, j'ai préparé mon petit. Mon petit poète-poète en visio avec les filles. Tu n'étais pas en visio, tu étais au boulot et quand tu es arrivée en visio je t'ai dit je fais ma liste de courses.
Sauf que tout le monde en visio était au courant de ce que j'étais en train de faire. Voilà. Et oui, voilà. Donc oui, tu m'as fait une surprise en venant plus tôt, mais tu vois, moi, je te fais une surprise. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc cette vidéo, elle va sortir quand? Je ne sais pas. Parce que, eh ben, on va voir si quand elle va voir la toile, elle va se dire potentiellement c'est Karine. Donc l'idée, c'est de se mettre à un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne peut pas découvrir que c'est moi tout de suite, pour voir dans combien de temps elle est capable de voir que c'est moi qui fais la toile. Voilà, donc celle-ci, je vais la brûler uniquement hors visio, là, les filles, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, donc, voilà. Donc, je suis petite contente. Je suis toute contente. Voilà. Alors, je vous explique comment moi j'ai fait mon coupage de la toile. Voilà. Donc, ici. Ici, nous avons des cases de 9,5. Voilà. Ça, c'est des cases de 9,5 parce que du coup, je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, ici, c'est des cases de 9,5. Voilà. Là, ce sont des cases de 8, je crois, 2, 4, 6, 8, 10. Et là, c'est des cases de 8. De 11, c'est des 10. C'est 9,5, 10 et 11 cases. Voilà, à brûler. Voilà. Donc, j'ai repris l'idée de Vanessa de stabiloter les couleurs. Comme ça, on sait où c'est que l'on en est. Voilà. J'ai identifié mes petites cases ici. Oui, j'ai la petite carte de ma petite Valérie là. Et donc, on va commencer la case numéro 10. Donc, elle se trouve ici. Voilà. Donc, hier soir, pendant que Madame Valérie était en train de rentrer à son domicile, j'ai regardé où c'est que ça tombait. Elle est immense la toile. Voilà. Donc moi ce que je dois brûler, ça va aller de mon doigt là à ici. Voilà tout ça. Voilà. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Alors j'étais en train de réfléchir ce que j'étais en train de me dire, est-ce que je fais les carrés comme ça de 9,5, mais ça va être trop compliqué, donc on va rester sur ma première idée. Voilà, donc j'ai pas préparé mes fils, j'avais juste sorti une petite plaquette comme ceci. Voilà. Je suis contente, j'ai gardé le secret. Je suis contente, j'ai gardé le secret. Bah oui, hein, voilà, on va voir. Hein, je vous dirai si. Voilà, donc. Les personnes qui sont au courant sont bah, ma petite Valérie la Belge, ma petite Bichette, ma petite Marion, Alexandra et Vanessa, bien évidemment. Voilà. Monsieur mon mari. Aurore. Hélène. Voilà. Voilà ma petite Valérie. Hein? Attendez, est-ce que je fais ça? 15, 16. Non, je finirai ça après. Voilà. Du coup, j'ai préparé le petit ciseau, la petite feuille, parce que du coup, je pourrais coller mes trucs. Et j'ai pas pris d'enfil aiguille. Donc, voilà. Allez.
Donc à la base, c'était pas prévu que je la commence tout de suite la toile. Moi, je vous le dis, hein. L'idée, c'était voilà, de la commencer plus tard. Mais voilà, il y a eu cette opportunité. Donc voilà, je suis toujours avec mon petit tas d'aiguilles en surplus. Hein, voilà. Donc on s'est dit, voilà, sur un malentendu, on va pouvoir hein, potentiellement commencer. Hein. Sur un malentendu, je commence. Hein. C'était juste pas possible de ne pas attaquer une toile pour les filles, sachant qu'en plus Alex c'était son premier défi, donc voilà. Je suis contente. Vous voyez pas mon sourire, hein, mais je pense que. Alors, bien évidemment, je kiffe parce que la légende ici n'est pas la même qu'ici. C'est super. Je sais, je suis une grande râleuse. Alors, on va faire quoi? On va commencer ici. Comme ça, je sais qu'après, je dois que monter. Donc, on va faire du carré vert. Le carré vert, c'est le numéro... Hop là. 25. Alors, l'idée à la base, c'était que je voulais... je voulais m'acheter un métier à broder, voilà, pour la mettre dessus. Il a commencé parce que l'idée c'était de la commencer, mais du coup comme je fais le défi, je vais pas acheter tout de suite le métier à broder. On verra plus tard. Et puis bon, voilà, comme on a eu donc vous avez vu la vidéo où je vous en ai parlé pour Schweppes, je pense que je vous ai donné des nouvelles après de Schweppes. Comme je ne sais pas quand la vidéo va sortir, donc voilà. C'est vrai que ça a un coût un petit peu, ces examens médicaux à Schweppes, donc du coup on va faire, sachant qu'on a le projet quand même de Prague, on va, voilà, je vais faire attention un petit peu à mes dépenses. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mais bon, nous on rigole, hein, parce que avec les filles, on en parle en message privé. On rigole parce que on se dit, petite Valérie, hein? A-t-elle cru que j'étais capable de résister à attaquer une nouvelle toile? Hein? Franchement, est-ce que tu crois que j'aurais été capable de ne pas accepter le défi des filles? Effectivement, je leur ai dit aux filles, ça aurait été en début d'année qu'elle aurait lancé ce projet, ça aurait été parfait parce qu'on avait fini notre toile que je fais avec Vanessa. Ah, mais bon, c'est pas grave. Hein, on va essayer de voir si on peut trouver une petite organisation sympatoche pour faire tout ça. Donc là, dans ma tête, la petite organisation, on verra si j'arrive à le faire ou pas. Valérie, pas la peine de secouer la tête. Hein? Mon Dieu, ça va être compliqué de travailler comme ça. Allez, on va essayer de travailler comme ça. C'est que le dimanche, je fasse ma case de la semaine. Alors, je suis désolée, c'est que parce que j'ai envoyé un message à toutes les filles qui sont au courant, comme quoi je faisais une vidéo. Donc, voilà. Donc, de faire ma case de la semaine le dimanche après-midi, le samedi et le dimanche après-midi. Comme ça, après, je peux un peu travailler sur celle-là, essayer de voir, après, peut-être travailler sur autre chose, on va voir. Voilà.
Et voilà ma petite Valérie. Alors. Et tout à l'heure, mon mari, donc je lui envoie un message vocal. Et puis, voilà. Puis il dit, ah, mais si, elle commence à toile. Ah là là, les yeux. Je lui ai fusillé du regard. Puis il dit, non, mais je rigole, vous savez que je dis des conneries. Hein. Je dis, mais Filou, il me dit, mais je savais pas que tu faisais le projet aussi. Bah oui, mais je te dis pas tout parce que voilà. Les gens entendent, voilà, hein, ils gaffent, bah alors là, ils me gaffent encore dessus. Donc le message, il m'a fait mourir de rire, mon mari. Ah, elle dit, non, mais t'es sérieux, gars? Alors, je vais essayer de faire toutes mes croix dans le même sens. Essayer. Hein. Parce que voilà. C'est pas gagné. Donc là, l'objectif de cet après-midi, vous voyez, je vais faire un peu de point de croix. Je ne sais pas si je vais faire une petite sieste ou pas. Mais c'est que si tout à l'heure on fait une bisou avec les filles, bah, je me mettrai sur mon défi que je fais avec ma petite Vanessa. Alors, petite. Et celle-ci, voilà, je vais vraiment la faire quand je suis sûre que Valérie n'apparaîtra pas en visio. Avec nous. Hein. Et je suis sûre qu'au fond d'elle, elle se doute. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre. J'en suis quasi certaine qu'elle se doute de. Voilà. Bah Valérie, tu mettras un petit message hein, sous la vidéo si tu te doutais que j'allais faire cette ce projet. Alors côté orga, hein, on va voir comment ça va se passer parce que là franchement ça va être ton dax. Hein. Bon après j'ai 15 jours pour faire cette case. Mais bon, il n'empêche que j'ai quand même mes cases de la semaine à faire. Donc là il y a 9 cases. Après le projet de le défi que je fais avec Vanessa sur la chaîne, j'aurai plus à la fin d'année, j'aurai plus le temps parce que j'aurai plus mes 6 cases à faire de la semaine. Donc, potentiellement, voilà. C'est jusqu'à la fin de l'année où ça va être un petit peu tendu. Sachant qu'en plus, on va partir en République tchèque, donc la toile, je la prendrai vraiment pas avec moi, celle-là. Bon, je fais mon fil là avec vous. Après, je vous abandonne. Parce que vous voyez, ça va faire déjà 20 minutes qu'on est ensemble. C'est pas que je vous aime pas, hein, les amis. Hein. C'est que voilà, la vidéo, j'aimerais vous faire ça sur plusieurs parties. Si j'arrive à vous mettre sur ce vlog un petit peu le ressenti de Valérie, des choses comme ça, je vous le dirai. Et voilà. Et là, nous, on est en train de tout jubiler. Hein. On jubile, on jubile. Voilà. Ah, c'est beau le... embêter la copine, hein, du moins l'ami. Et bon, vous savez, hein, moi, j'aime bien l'embêter ma petite Valérie d'amour. Alors du coup là j'ai
J'ai changé ma lumière de place pour filmer. On verra ce que ça va donner. J'en ai encore un petit peu là. Voilà, j'ai un petit morceau de film du coup. Donc là, l'idée, c'est vraiment que je travaille au fil, hein, complet sur ma case. J'ai pas fait de nœud. Attendez, on va essayer de faire la méthode à Vanessa. On va essayer. Mais non, c'est pas comme ça qu'elle fait quand même. Si, attendez. Qu'elle commence par. Ah, je sais plus, tiens. Là, je crois qu'elle fait comme ça. Je sais pas si elle passe pas par-dessous. Pour justement pas faire de nœud. Bon, bah écoutez, échec. N'importe, n'importe pas là ma fille. Hop là. Bon, je suis contente de faire quand même ce petit projet avec vous les filles quand même. Et d'avoir pas vendu la mèche. Non Valérie, tu pourras pas dire que je suis pas allée au bout de mon fil là, hein, parce que tu m'as dit que j'étais gaspilleuse de fil. Parce que j'aime en général beaucoup plus tôt. Voilà. Voilà les premiers points. Donc on a fait ici et j'ai fait 4 points ici. Voilà. Bon, et ben pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est plus tard. Bye bye. Coucou. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Nous sommes le 21 septembre. Hop là. Donc, du coup, là, j'ai fini ma case de la semaine. En avance. Ouh là là. Ouh là là. Je l'ai fini hier. Et bah là, cet après-midi, c'est à peu près calme à la maison. Du coup, je me suis dit, je vais faire un peu de point de croix avancé là. Et je vais le faire avec vous en vidéo. Donc oui, j'ai le gilet sur les épaules. Alors, je ne l'ai pas retouché depuis la dernière fois. Hein. On s'est eu. Ouais, il fait froid aujourd'hui. Du coup, là, j'ai mis le survêt. Pantalon de survêt et j'ai mis le gilet. Voilà. Bon, j'ai toujours rien dit. Hein. Valérie n'est toujours pas au courant. Voilà. On va essayer de garder encore un peu le secret, hein, dirait-on. On va voir, on va voir. Donc là, ouais, je fais juste ce petit fil avec vous. Après, je vais
m'installer mieux parce que c'est vrai que pour l'installation, pour la toile, là, c'est. Oh, elle est immense, mais elle est immense. Mais pourquoi j'ai pas pris du 14/7? Ça aurait été plus rapide, elle était plus petite la toile. Hein? Petite Valérie la Belge, hein, quand tu passeras par là, bon courage le jour que tu attaques cette toile. Parce qu'elle est immense de chez immense. Bon, l'idée c'est pas d'aller sur les cases à côté, hein, bien évidemment. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésie, ça s'est bien passé. Enfin, mercredi prochain. Voilà. Donc j'étais surprise parce que du coup, là je dis à l'anesthésiste, bah du coup, je dois aller où? Donc il me dit, bon bah si vous êtes la première, vous montez carrément dans le service, donc là où on fait les rendez-vous, hein, et un service, c'est une ancienne, c'est l'ancienne maternité qu'ils ont transformée en bureau de consultation et il y a toujours le bloc opératoire. Donc là, je me pose la question, parce que du coup, moi, c'est quand même une anesthésie générale. Donc il me dit, monsieur, si vous êtes la première, vous montez directement, vous sonnez, vous montez directement, et vous passez tout de suite. Ok, j'ai pas de pièce où je peux mettre mes affaires. Hein, excusez-moi, voilà, je vais peut-être pas y aller tout habillée. Techniquement, je suis censée quand même me mettre en tenue. Voilà, bref. Donc bon, on va voir. Donc, il me dit si vous êtes la deuxième, bah, vous avez en bas une sonnette, vous sonnez, vous asseyez sur le truc et on viendra vous chercher. Ouais. Bon. Moi, ce qui me fait souci, c'est de me dire bah voilà, je vais les. Bon. J'aurai ma clé de maison et mon téléphone portable ainsi qu'un point de croix. Bah, j'y mets où? Je pars pas dans le bloc avec ça, hein, accessoirement. Donc voilà. Donc on verra, il y a un service qui était l'ancien service de chirurgie, là c'est le SSR qu'ils appellent ça. On verra ce que. Il m'a dit au pire vous pouvez entrer dans le service SSR. Donc on verra bien. On va pas se faire de soucis, hein. Voilà. Bon, je suis contente, moi mon inventaire est fini quasiment. Ma collègue de boulot, elle a bien travaillé. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé même. Bien avancé. Me revoilà, désolée, j'ai ma soeur qui m'a appelée et du coup, ben voilà, j'ai coupé la vidéo et j'ai continué un petit peu le temps que j'étais avec elle au téléphone. Donc là, j'ai changé de couleur. Voilà, vous y voyez que dalle. C'est pas évident, hein. Donc je sais plus de quoi je vous parlais. Oui, si, je vous parlais de l'inventaire. Donc du coup. Ouais, elle a bien travaillé, ma collègue de boulot. Donc du coup, là, l'inventaire, c'est vendredi prochain. Voyez, on est jeudi. Il nous reste, allez, le quai de réception qui va être compté, mais rapidement. Et nos palettes de repas. Donc c'est vrai que franchement, c'est top. Donc c'est bien, sachant que moi, en plus, mercredi, je suis pas là. Elle est pas là, c'est son congé. Donc c'est franchement nickel. Voilà. Merci vraiment. Nous on est quand même sur une partie magasin qui est quand même hardcore. Bah, c'est quand même tout le monde alimentaire. Donc je vous laisse imaginer le nombre de références. Donc moi c'est toute la partie bazar à compter. Et franchement, vu le plein air qu'on n'a pas vendu cette année, je peux vous dire que j'en ai du bon ça à compter. Mais bon, là on s'est bien débrouillé, du moins elle s'est bien débrouillée parce que moi j'ai quasiment rien compté. Donc du coup, ouais, franchement, nickel. Je lui dis ce matin, je dis bravo parce qu'elle a bien géré le comptage et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser pour cette deuxième partie, hein, parce que du coup,
Je vais continuer à broder un petit peu avant que les filles m'appellent en visio. Parce que bien évidemment, je ne fais pas cette toile-là en visio, parce que quand je suis en visio, on voit mes mains, et puis en général, on fait voir les toiles. Donc ce serait quand même ballot de se faire griller comme ça. Donc voilà, on va voir combien de temps ça va durer, cette histoire. Mais bon, comme je suis quasi certaine qu'elle le sait, qu'elle se doute, qu'elle... Quand elle va voir la toile, elle va dire ha 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 ha. Voilà. Donc je sais sur quoi je vais poser la toile avant la photo, bien évidemment. Et voilà. Bon allez, moi je vous abandonne les amis. Je vous dis à plus tard et pour vous c'est tout de suite. Me revoilà les amis. Donc je voulais vous faire voir le résultat final de ma case qui se trouve de là jusqu'à là, voyez. Donc j'ai adoré faire cette case, trop bien, franchement elle se fait mais d'une facilité mais déconcertante. Je vous fais voir parce que du coup j'ai le nouveau numéro de la semaine des 15 jours, donc ça va se trouver à partir de mon doigt là, 9 cases et demi. Voilà, donc c'est la deuxième colonne. Hein. La deuxième colonne, je viens de regarder. Voilà. Je vous mets sur pause, je m'installe et on fait quelques points ensemble. Ouais, on va faire quelques points ensemble, voilà. Allez, à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai le temps que je me motive, que je fasse mon truc, j'ai donné un coup sur le pied de le pied, du coup ça a désactivé la caméra. Donc je me suis installée tant bien que mal, parce qu'elle est très grande. J'ai identifié, ben vous voyez pas la zone, donc ça va aller de là à là. Faut tout que je fasse ici. Je vous ai sorti la petite couleur. Alors pourquoi ce petit papier? Parce que j'ai pas de légende et que en général je travaille ma toile, là l'autre jour j'ai travaillé ma toile roulée et une fois que la toile elle est roulée, allez dérouler à chaque fois la toile pour voir la légende, ça m'a saoulée. Donc je me suis reproduit la légende sur un petit papier, voilà. Donc, j'ai ma petite légende là et en organisation j'ai pris une petite boîte avec les petites poète là comme ça que les filles m'avaient offert pour mon anniversaire l'année dernière et je me suis mis mon petit bazar, donc là c'est la 15 qu'on va faire. Je me suis mis ma petite truc aimanté comme ça parce que j'avais un cover monder attendez parce que là il faut que je me concentre, oui c'est comme ça parce que je ne tente que va du moins même. L'idée c'est que je fasse mes croix dans tout le même sens. Hein? Comme on, pour le moment, je ne sais pas si Valérie. Au moment où je vous parle, Valérie n'est pas au courant que je fais la toile. Hein? Parce que la vidéo sortira que quand elle aura découvert que je fais la toile. Voilà. Donc le cover minder, ben, j'ai posé la toile sur le bureau. Un petit peu violemment on va dire et le cover minder est parti, donc j'ai bien retrouvé le petit aimant, voilà, mais j'ai pas retrouvé la petite, la grosse feuille donc qui est assez volumineuse, donc je vais regarder après, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, l'idée, c'est de faire mes croix toutes dans le même sens. Comme ça, Valérie sera contente. Et l'idée, c'est pas de me faire griller non plus sur une photo. Donc là, j'avais une serviette bleue et noire. J'ai posé la serviette bleue et noire. J'ai fait mon... J'ai posé ma flèche. Mais je dois avoir... J'ai la photo encore, je vais vous faire voir. Mmh.
photo. La photo. Voilà. Donc on peut pas dire que c'est moi, hein, pour le moment. Pareil, hein, l'autre jour j'étais en visio. Et non, j'étais pas en visio, j'étais en train de faire de ma toile. Et dans la conversation, je dis, bah, la personne, si quelqu'un veut faire une visio, dites-le moi, vous me laissez 3 minutes le temps de me préparer. Ouais, sauf que Valérie, elle a envoyé la visio. Du coup, de la toile, j'ai fait, hop, péter. Voilà, heureusement que j'avais une bricole dans les mains. Je suis arrivée à attraper une bricole dans les mains. Parce que bah, du coup, je voulais pas qu'elle voie la toile et ça m'a fait rire. Bon, là, je vais pas rester trop longtemps parce que je sais pas combien de temps la vidéo va, pour vous, va durer. Et non, Karine, tu vas pas là-bas. J'allais faire plus. Bah non, c'est comme ça, tu reviens. Et oui. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, Karine. Donc là, vous voyez, on va... Je vais la travailler un petit peu toute seule. Alors là, je suis arrivée à faire ma toile, les deux toiles, là, le défi et celle-là bien. Après, on verra. Sachant que là, moi, je suis en train de vous préparer, donc je vous en parle comme ça, mais je vous explique pas plus. Hein. Un projet pour 2024. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. Mon mari me réclame aussi. C'était pas là qu'il fallait sortir. Me réclame son point, c'est pas son point de croix, son DP. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je fais des bêtises. Donc, il va falloir vite que je finisse mon AB. Glocha pour lui attaquer le sien, parce que je vais pas recommencer. J'en ai un autre à attaquer. Aussi. Qu'on m'a offert, mais là c'est pareil, je peux pas mieux vous en dire parce que je ne sais pas si au moment de cette vidéo là la vidéo sera sortie. Une fois que j'ai fait le DP de mon mari, je ferai le DP en question. Je vais vous abandonner. Je finis ces 4 points là avec vous jusqu'à la fin de la ligne. Et après je vais brasser un petit peu. Quand même. Parce que elle, quand je la commence en général, c'est je taquine. Hein. Voilà. Voilà les amis. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute ma case. Je vous reprendrai pour les derniers points. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, moi, je travaille à la couleur. Donc là, vous voyez, je fais celle-ci. Et ben, je vais continuer. Je vais faire ici sur toute ma case. Et ainsi de suite en remontant. Comme ça. Voilà. Donc, le prochain coup qu'on se retrouve, ce sera par ici. Et on n'aura que quelques points à finir. Voilà. À plus tard. Pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, c'est plus tard. Et coucou les amis, bon, on se retrouve sur la dernière partie de la vidéo. On est le 22 octobre, donc on aura tenu un peu plus d'un mois. Voilà, pourquoi dernière partie de vidéo? Parce que hier après-midi,
En dit moi-même en début de soirée, j'ai fait voir la toile à Valérie. Voilà. Donc ça y est, elle sait qu'on fait le défi. Hein? Donc merci aux filles de n'avoir rien dit. Voilà. Donc vous auriez vu sa petite tête quand elle a vu que je faisais le défi avec ma petite Valou et Marion. Voilà. Quand j'ai dit que je pouvais pas ne pas faire le défi des filles quand même. Hein. Hop là. Donc du coup, en plus hier après-midi, je voulais vous faire une vidéo et puis j'ai fait autre chose. Alors, désolée pour la luminosité parce que je suis en bas sur ma table basse. Donc là, je travaille sur le côté haut de la toile. Donc la toile elle va jusqu'à là, mais vous n'allez pas le voir. C'est une grande partie quand même. Et donc j'ai 10-15 colonnes à faire sur les 9 et demi, 9 lignes et demie. Donc là, c'est une grosse, grosse partie cette fois-ci. Donc elle s'est rendue compte que ben j'étais pas la seule à pas lui avoir dit que je participais. Voilà. Quand elle a su qu'on était plusieurs à faire la même chose, à ne pas lui avoir dit que l'on faisait le défi. Si c'est du gris, je crois que c'est bizarre du gris là au milieu du vert. Voilà. Donc voilà. Vraiment, je vous dis, hein, j'ai intérêt d'être au carré, hein, sur la réalisation des deux défis, hein, parce qu'elle va pas me louper la petite Valérie, hein. Déjà du côté défi là, suite à la vidéo belge, elles m'ont pas loupé sur les défis, hein. Donc du coup, bah, je vais quand même essayer de continuer de faire mes croix toutes dans le même sens. Hein. Donc, elle avait raison, j'allais commencer ma petite fille au bureau. Voilà. Heureusement qu'elle m'a jamais redemandé de la voir, hein, quand même, mine de. Hein. Bon, apparemment, elle n'avait pas vu qu'il y avait des incognitos. Hein. Inconnu, incognito. Et je sais plus c'est comment le troisième nom. Voilà. Mais bon, on aura bien rigolé, hein, franchement. Les lancers de toile que j'ai pu faire quand elle est arrivée en visio, pas plus tard que lundi. Lundi, je savais qu'elle était en inventaire, donc j'arrive, je dis aux filles. Bon, allez, bah, je vais travailler sur ma toile, je crains rien. Oh, voilà qui arrive. Valérie qui arrive. J'ai fait un lancer de toile par terre. Voilà. Je suis allée récupérer vite fait mon point de crotté d'oreiller là de mon partenariat. Alors ça c'est pareil, voilà, je vous refasse une petite vidéo de ce partenariat. Voilà. Donc voilà, on va clôturer le long vlog. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que du coup les vidéos que j'ai faites, je ne sais plus le temps. Donc je vous laisserai aller voir les vidéos des filles. Si je ne me trompe pas, c'est dimanche prochain qu'il y a un nouveau numéro qui sort. Oui, parce que la semaine dernière, ils ont sorti le numéro. Voilà, et c'est Alexandra qui va le faire. Et il y aura le montage aussi des photos. Voilà. Ah. Bon, notre mère, là, je pense que je vais clôturer. Je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. J'essaierai. Bah, je ferai le montage à la fin de dans la semaine. Comme ça, j'essaierai de vous coller les trois photos. Si j'ai fini ma troisième case, les trois photos de la toile. Hein? Voilà.
Donc voilà, c'était assez rigolo la réalisation de la toile en cachette de Valérie. Voilà. C'était assez rigolo. Voilà. Bon, bah moi je vais continuer tranquillement. Cet après-midi, bah, je vais pouvoir la faire en visio avec les filles. Voilà, faut pas que j'oublie que j'ai ma caisse de la semaine à faire. Aussi. Mais il y a un peu encore du travail ici. J'ai encore beaucoup de boulot de l'autre côté. Voilà. Bon, bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vlogs sur plusieurs parties sur un loisir créatif. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ma petite Valérie, à Temtem, un petit cœur, Temtem. Hein, mon chéri, je Temtem. Voilà. Allez, bye bye les amis. Thank you.